Ok, alors voyons voir un peu la composition. Alors, le compte. Bon, il est où Aguilar? Volant, Jovetic, Dio. Pourquoi il n'y a pas Ben Yedder? Putain, c'est quoi ce bordel encore là? Putain, il y a Sidibé en plus. Putain, on est foutu là. Et après, on s'étonne qu'on n'y arrive pas? J'en ai marre, putain. Don't worry, my man. The Niko Kovac method will make us win. Because I'm Bogos, cool man. The important is to secure the fourth place. J'en peux plus de cette quatrième place. Arrêtons avec ça. Regardons le classement, quand même. Bientôt, on continuera à dire ça. On a assuré le maintien. Vous croyez qu'on va se contenter de l'Europa League? On parle de Monaco, on la joue pas l'Europa League. Nous, c'est la Champions qu'on veut, les frérots. L'Europa League, c'est la Champions AliExpress. On mérite d'aller en Champions. Mes chers amis, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief. Saint-Étienne, Monaco, 0 et 1 et 2 et 4-0. Après, vous avez vu l'équipe en face. Oh, c'est triste pour eux, mais on parle de Saint-Étienne, quand même. À la base, c'est le chaudron. Et là, leur chaudron, mais ils se sont noyés dedans. Il n'y avait plus personne. Ils ont réussi à se noyer dans le chaudron alors qu'il y avait son père. Quand ils étaient petits, les joueurs qu'il y a là, on devait leur dire, regardez Platini, c'est un artiste. Oh, ils ont vraiment cru qu'il fallait être artiste. Sur le terrain, ils faisaient que tomber comme des petits comédiens. Que des pleureuses, les Stéphanois. Eh, c'est des pièces de théâtre qu'ils devraient jouer, Saint-Étienne. C'est pas au football, on gagnerait des Molières ou des... comme ça, ils auraient la possibilité de gagner Saint-Étienne s'ils faisaient du théâtre. Je sais pas, c'était du foot hier sur Canal ou un film de sexe. On les a pétés dans tous les sens, les Stéphanois. Saint-Étienne, c'était pas sain hier. Non, 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 c'était bien crade, bien dégueulasse. Mon Dieu, leur équipe. Rien que le blaze, je connaissais pas Neyou. Oh, c'est qui ce mec? Neyou, j'ai cru c'était Neyo, le rappeur là, le chanteur américain. Oh, Neyou, il est rentré, il a commencé à apparaître partout, un tir, deux tirs, plus rien. Je comprends pourquoi ces reprises, elles étaient claquées, du coup. Ah, ça a perdu en qualité, hein, Saint-Étienne. Hein. Désolé à tous les Stéphanois. Voilà, c'est devenu un club d'artistes, un club de chanteurs des années 80. Charlaby, retourne faire du piano, frère. Si tu fais du piano, fais un truc sur le terrain, après, je sais pas, assume. Chante la bohème d'Aznavour. Toute l'équipe stéphanoise, elle était pétée hier. Rien que Stéphanois, c'est pété, toi, Stéphanois. Stéphane à la... On va se concentrer sur nous un peu, on a assuré. Carré, c'était carré comme as. On a joué tout en finesse, tout en beauté. C'était frappé comme la glace d'un mojito, bien aromatisé, au bord d'une plage paradisiaque, dans un pays des Caraïbes. J'ai pas une seule fois peur, honnêtement, à part pour un petit coup franc, peut-être. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est Jovetic qui manque son penalty, et même... Il a mis un but 2 minutes après. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour la peine, Jovetic, c'est mon top. Accompagné évidemment de Sofiane Diop qui a joué encore une fois très juste. Même avant son but. Et il a prouvé avec ce flair énorme qu'il a. Il arrive de l'audace, de la précision, de la jeunesse. Sofiane Diop, bravo, bravo. Continue à performer comme ça. Et on en vient au super top. Et vous le savez tous. Et je ne fais qu'en parler à chaque débrief. Aurélien Tchouaméni. Quel joueur incroyable, 21 ans. La rigueur défensive, sa capacité de récupérer des ballons, c'est monstrueux. À tous les appels qu'il fait hier, il te transforme en attaquant. Le frérot, il faisait des appels dans la surface. Il a tiré plusieurs fois, c'est sublime. Et quand il marque, énorme frappe. Quel coup de canon, quel missile. Missilo Tchouaméni. Si vous avez vu une étoile filante hier dans le ciel, c'était la frappe de Tchouaméni qui a transpercé les filets. Oh, c'était Olivia Ton. Le ballon, il est déjà sur la Lune, il est sur Mars. 21 ans, il a fini Papy Casri, Papy Debuchy. Il y avait penalty d'ailleurs, avant même la main de Debuchy. Là. Caio Henrique, régulier, juste, pareil. Avec Golovin à gauche, ça va super. Il y a des boulevards alors que Saint-Etienne, il n'y a même pas une avenue. Donc bon, c'était magnifique, bravo. Je suis un peu plus mitigé sur Fofana Badiachile parce que au centre, ça que je déteste, j'ai tout le temps arrêté de relancer, de faire des passes là. Parce qu'il les récupère. Parce que si tu tombes contre Lyon, contre... Faut arrêter de passer au centre. Ou vous dégagez, ou vous allez sur les côtés. Mais au centre, c'est beaucoup trop simple de se faire perforer après. Très bon match de Fofana, malgré tout, ok. Il peut être meilleur, le petit Fofana.
Que dire de la passe masterclass de l'entrée de Fabregas. Premier but pour Diatta, c'est bien, c'est le travail qui paye. Il va petit à petit s'adapter, ce jeune. Le compte, on l'a pas vu, tant mieux. Ça a été bien, maintenant, saluer le travail formidable du boss, du maestro, de Niko Kovac. Notre manière de nous projeter devant. Notre solidité défensive maintenant qui s'affirme un peu depuis quelques matchs. C'est une preuve d'un très gros travail. Alors j'insiste aussi, c'est pas parce que Wissam n'est pas titulaire qu'il n'a pas son importance, qu'il perd son rôle de capitaine, absolument pas. Wissam reste un des meilleurs joueurs de la saison et on aura forcément besoin de lui à des moments où peut-être en fin d'année on va piocher, ça va être compliqué. Mais c'est dans ce genre de moment où Wissam saura s'imposer et montrera qu'il est là, il nous a sauvés beaucoup de fois. Je pense notamment à Lorient avec le but qui nous permet d'égaliser à la fin. Un peu de défi en plus, un peu de compète comme disait Kovac. On est revenu, on avait eu un peu de mal les deux derniers matchs et franchement de nous avoir vus à ce niveau hier, c'est une belle équipe. On a une belle équipe, on fait un taf de malade. Bravo Monaco. Merci si vous étiez encore ici sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça. On reste en contact très vite. Prochaine issue Monaco-Metz, on va les péter. Je vous le dis direct. Si on joue comme ça, le seul ennemi qu'on a, c'est nous. Passez un très bon dimanche, très bon fin de week-end, très bonne semaine. Et à très vite. Merci beaucoup pour nous suivre et taguer Monégo, évidemment. Ciao.